Nous avons appris la diriger nous dans le nord-est, nous avons appris Marion pour le barrage. Ça. Un barrage qui pourrait répondre à deux grands défis, question usée et terre pour paysans. Il pourrait aller de tout et aider dans la question énergie. Semaine ça, nous avons parlé avec le directeur départemental agriculture, département nord-est. Je pourrais dire exactement dans quel niveau de travail il y a. Importance travail savoir gagner pour le département nord-est là, particulièrement pour Marion, et qui ça et technicien au promettre par rapport à délai qui est fixé pour travailler au fini. Tout ça plus encore avec responsable agriculture dans le département nord-est là. Il t'a répondu une question, collaborateur de PEMS, Jean-Baptiste, et puis Richardson Joudan, depuis Marion. Une autre fois encore, nous trouvons dans la localité Marion, section communale Grand Bassin, commune. Terrier rouge côté nous venons garder qui a avancé qui fait dans le cadre barrage hydroélectrique ça qu'a réalisé dans zone ça. Nous allons parler avec le directeur départemental agricole nord-est là qui c'est agronome Sylvain Sama, lui même qui pourra dire nous comment travailler et puis tout il va parler de l'autre travail qu'a réalisé dans le département nord-est là. Nous invitons à suivre ensemble avec nous. Sylvain Sama, c'est le directeur départemental agricole nord-est. Nous sommes dans la localité Marion, bon, côté barrage hydroélectrique qui a fait là. Dis-nous pour qu'on a comment ça est dans le cadre de travail qui a fait là. Bon, nous saluons TNH et nous saluons tous qui sont présents matin sur ce site là. Et permettez-moi de rappeler un grand objectif que nous avons couru dans le cadre du projet Marion. Nous avons quatre grands objectifs que nous avons cherché dans le cadre du projet Marion. C'est d'abord et produit électricité, ensuite irrigation pour irriguer en pile hectare de terre, produit d'acadie bail de l'eau potable à la population et ensuite mitiger risque inondation en aval de barrage là. Ça c'est quatre grands objectifs yo. Pour le moment, nous avons commencé à couler béton dans prise barrage là. Côté que on va regarder, il y a alterné bandio. OK, prise ça va permettre nous capter de l'eau. Après nous fin couler prise là, on va nous pour mettre et seuil qui est supposé barrer de l'eau pour que gonfler quantité de l'eau que n'a besoin sur système là. Prise va parler à côté moi Gotio ça. Oui, c'est côté Gotio ça, c'est eux même qui pral. Et de l'eau, ça va rouler les turbines pour produire courant électricité. Ok, depuis le travail, ça a démarré là, directeur. Ça m'a dit, nous, qui ça a déjà fait déjà là?
Bon, ça qui fait déjà, nous gagnons seuil numéro 2 qui est déjà fini à 100%. OK, nous gagnons déversoirs là côté où nous vraiment avancé dans déversoirs là. Actuellement là nous dans prison, tuyaux fin placé, armature yo fin meté, maintenant n'a couler béton maintenant sous prison là. Ou dit nous mais ça qui fait déjà mais qu'on a qui ça qui rete nous là pour nous ca finir à travers ça. Nous commencé un nouveau digue. Maintenant l'autre digue qui va rete nous faut fin couler béton dans prison pour que nous mettez dernier digue là. C'est digue ça qui va permettre nous gonfler de l'eau parce que c'est mobiliser nous va mobiliser volume de l'eau que nous avons besoin qui pour produire courant électricité hein, qui pour produire qui pour bailler de l'eau pour irrigation yo et qui va permettre nous bailler mon de l'eau potable dans zone là. Non madame ministre agriculture travail nous c'est superviser travail yo. Non, travail non pas seulement dans la supervision, travail nous impliquer dans tout ça qu'a fait yo. Ça veut dire assurer nous que travail a marché, bay tout appui que ce soit et moyens financiers, jeune Zolan c'est trésor public qui a financé pour le moment travail ça yo. Ça veut dire nous mettons pile accent sur travail ça yo côté que ministre de l'agriculture, le directeur général là tout en direction qui concerne dans le ministère à mobiliser des travailleurs ça pour que travail ça au avancer. Mais cubain toujours là avec nous. Oui, cubain avec nous. On pourrait que tu gon période nous te gagne 30 ingénieurs civils que ce soit général qui était présent sur système là côté que ingénieur ça ont venir font ont venir font transfert de connaissances à eux parce que on connaît que cubain pas là pour tout le temps. Maintenant ingénieur ça les cubains vont aller, c'est peut-être c'est eux-mêmes vraiment qui pourraient le prendre en main pour que vous assurez que ce soit entretien et surtout l'autre barrage qui va le construire pour avoir présence ingénieur civil, ça ingénieur agronome, ça sur site l'autre site qui que nous pourrions construire. Mais le travail qu'a fait dans Marion là, son travail nous capable dire qu'il pourrait avoir une importance pour communauté pour ne pas dire pour tout le monde dans le département. Bon, n'a pas dit pour pays parce que barrage ça c'est presque les deux même envergure avec barrage Pelig. Parce que j'en dis c'est qui va permettre nous irriguer pas mal de hectares de terre qui va produire en pile manger pour pays hein. Et dans barrage ça tout nous va faire ensemencement poisson. Ça veut dire tout ça yo c'est production que nous va faire pour que nos kakaba grand goût dans pays. 2019 c'est des années ba tête nous pour nous finir avec vous. Bon, 2019, oui, mais na, parce que vous connaissez plusieurs entités sur le site. Là, là. Après, le laboratoire national, là, une fois que nous coulons le béton, il faut qu'il y ait deux prises qui fait pour analyser dans le laboratoire est-ce que le béton ça est conforme pour que nous continuions avec le béton ça. Et par la suite, et puis pour que nous poursuivions avec le béton. Ça veut dire que c'est toute entité ça, yo. C'est tout enchaînement ça, yo, pour que nous mettions ensemble, pour que nous réduisions le temps que nous apprenons, pour que nous avancions ensemble. Ok? Maintenant, nous disons 2019, c'est la date limite. Nous avons dit début 2020, premier trimestre 2020, il faut que nous inaugurions et puis pour que les choses soient entrées et bâillent nos services dans la zone. Après travail ça ministère agriculture a fait dans Marion là qui l'autre travail nous gagne dans région ça là encore nous gagne pas mal de projets de sites que de travaux qui en cours par exemple nous gagne sous Chalopin nous gagne barrage que n'a construit et nous gagne rivière Massac côté que n'a fait une prise au fil de l'eau capter de l'eau sous berge là pour que nous caloser pas mal de terre dans Bamaribaou et nous gagne au niveau de Ti rivière côté nous gagne de travaux de maçonnerie et de curage qu'a fait pour permettre de mettre réseau ça en état pour que vraiment et plantation ca jeune l'eau pour que ca produit normalement et pour question route agricole et nous sous ça autour n'a poursuivre objectif ça pour que nous remettre en état route agricole pour que les productions les nous gain production pour que produit ca sorti pour que yo ca aller et dans marché pour que mon ca jeune produit ça. Second dernier message à la pile là. Ben j'en dis hein, et c'est féliciter m'daka di vision président et gouvernement qui mobilise des tout gros projets ça yo et me connaît ces deux projets qui très utile pour pays hein, et me penser que tout haïtien doit ouais ça qu'a fait dans moment dans nord-est et spécialement pour que nous ca avancer vraiment à développer pays ça.